Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Donc j'ai reçu un deuxième colis de la part de la boutique FG Normal. Donc j'ai choisi les articles le 11 juin et j'ai reçu le colis aujourd'hui. Donc on est le 24 juin. Donc ça a mis 13 jours entre le choix des articles et la réception, donc franchement c'est super raisonnable comme délai, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Donc du coup j'ai reçu le colis, hop, dans l'enveloppe grise comme d'habitude dans ma boîte aux lettres. Alors à l'intérieur j'ai deux articles. Hop. Voilà, je me débarrasse de ça. Alors, il y a un premier article. Hop. Alors, je suis un peu déçue du fait que ça a été plié pour être envoyé, parce que du coup, il va falloir que je lui redonne la forme. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est ce petit cadre. Donc, en fait, c'est un cadre qui est magnétique. Alors, ouais, c'est dommage que ce soit envoyé plié, parce que forcément, du coup, quand vous le recevez, regardez comme ça fait. Donc ça, c'est un peu la déception quand même. Alors après, en le mettant, je vais le mettre sous des choses lourdes et ça va se remettre, mais c'est vrai que c'est dommage. Alors, donc tout simplement, c'est un cadre alors qui déjà se colle. Donc on peut le coller au mur par exemple. Hop, alors si j'y arrive. Je ne sais pas si je vais arriver à le décoller pour vous montrer. Hop, voilà. Donc vous avez un papier derrière qui s'enlève. Et du coup, vous avez cette partie-là qui est collante, ce qui fait que vous pouvez coller le cadre contre votre mur. Et ensuite, donc, vous pouvez l'ouvrir. Hop, alors, de quel côté? Voilà. Hop là. Donc, vous pouvez l'ouvrir, glisser votre DP à l'intérieur et après vous refermez tout simplement cette partie là donc tout le bord est aimanté, ça s'aimante sur l'autre bord que vous avez à l'arrière et du coup ça vous tient vos affiches, vos DP, vos points de croix, ce que vous voulez. Donc là moi je l'ai choisi en noir. Alors je vais regarder par rapport à la taille parce que je pense que je n'ai pas reçu, si, j'ai dû recevoir la taille que j'ai demandée. Alors, donc, c'est bien une taille. Alors, normalement, c'est censé être du 40 par 50. Là, j'ai du 38,5. Hop, par... Alors, on va essayer de prendre comme il faut parce que comme il est plié... Donc là, on a les 40. Voilà, donc vous avez 38,5 par 48,5. Donc, ce qui correspond pour eux à un 40 par 50. Donc, moi, j'ai pris le cadre noir, mais il existe dans d'autres couleurs. Je n'ai pas noté, mais je vous mettrai des petites photos à la fin de la vidéo. Et donc, moi, j'ai pris 40 par 50, mais il existe aussi en 30 par 30 et en 30 par 40. Et j'ai pris une finition brillante, mais il existe aussi en finition mate au niveau de la partie transparente que vous avez devant. Voilà. Donc là, pour ce cadre-là, dans la boutique FG Normal, donc en 40 par 50, cadre noir et effet brillant, le cadre est au prix de 5,81 €. Donc, ce qui n'est pas excessif, hein, c'est pas mal. Mais bon, par contre, ouais, il faudrait vraiment que la boutique fasse des efforts au niveau de l'envoi
parce que y recevoir tout plié comme ça, franchement, c'est pas génial. Alors bon, moi, voilà, je l'ai pas payé, hein, donc je vais pas me plaindre. Mais j'avoue que si j'avais payé, j'aurais été vraiment très déçue de le recevoir comme ça dans cet état. Bon, ça n'empêche pas que c'est récupérable quand même, mais c'est vrai que quand on paye quelque chose, on aime bien y recevoir correctement sans avoir à faire des choses pour que ça revienne tout en place. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre bien droit parce que le problème, bah, du coup, c'est que ça a plié la partie collante aussi de l'arrière. Et ça, ben, c'est pas évident après pour y remettre. Hop, alors, parce que je voudrais pas faire un pli, même si c'est à l'arrière et que c'est moins dérangeant. Hop, on va y étaler correctement. Voilà. Alors, on va mettre bien à plat. Et on va recoller tout ça. Voilà. Hop. Donc, pas de souci. On remet la partie par-dessus. Et puis, ça tombe bien. J'ai ma tablette qui est juste là. Et je vais le mettre à plat sous ma tablette. Puisque ma tablette est bien lourde, parce que c'est une grande tablette. Et puis, en plus, bah, du coup, quand je pose des choses dessus, que je fais du DP, etc., ça crée du poids. Et ça me remet en place tout ce qui est DP ou quoi que ce soit qui arrive froissé. Donc, voilà. Donc, ce tableau est au prix de 5,81 €. C'est génial. Honnêtement, c'est un article que j'ai déjà testé au sein de mon ex-profession. Puisque nous avions justement pour afficher les tarifs sur la vitrine, nous avions exactement les mêmes pochettes et franchement c'était génial. Ça tenait super bien, le soleil cognait sur la vitrine en été et pas de souci, ça ne se décollait pas. Mais j'avoue par contre c'était des affiches dedans puisque c'était les tarifs. Donc là bah, moi je vais y mettre un DP. Ou un point de croix, je ne sais pas encore, mais du coup le poids va être plus lourd et ça va être plus épais. Donc bah, j'avais envie de tester et voir ce que ça allait donner. Donc sur la boutique FG Normal, donc celui que j'ai choisi est au prix de 5,81 €. Ensuite, donc j'avais un deuxième article, j'ai un deuxième article dans mon colis. Donc, qui est arrivé en enveloppe bulle dans l'enveloppe grise en papier. Hop. Et j'ai choisi une mallette en plastique de rangement. Et je vais vous montrer pourquoi. Donc, c'est une mallette où normalement il y a 32 contenants. Donc, on va vérifier ça ensemble. Donc, déjà. Hop, à l'intérieur, vous avez, donc du coup, bah, c'est une mallette, hein, tout simplement. Donc, elle s'ouvre, elle a des petits clips ici. Hop. Et à l'intérieur, vous avez des étiquettes blanches pour noter justement le numéro du DMC sur vos contenants. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 32. Donc c'est bien ça. J'ai bien 32 contenants à l'intérieur. Et regardez, c'est des contenants que je n'avais pas encore. Des tic-tac, j'en ai eu. Je les utilise plus parce que j'aime pas trop. Et puis les contenants ronds. Et ceux-là, je les ai et je les adore. Dans les deux tailles, j'ai les petits et les grands. Et ils sont géniaux. Et j'avais vu passer qu'ils avaient sorti une nouvelle forme. Donc un peu style tic-tac. Mais carré, tout simplement. Donc, du coup, ah, je coupe 2 secondes, j'ai un appel très important. Désolée, petite coupure, j'avais un coup de téléphone qui était très important, tout simplement, puisque bah, je vous avais dit il y a quelques temps que j'étais en recherche d'emploi. Et donc, bah, ma recherche s'est très très bien passée, ça a été très positif partout où je suis passée et du coup, il y a une société que j'ai choisie et j'attaque le travail lundi, donc là on est vendredi et du coup c'était le responsable des ressources humaines qui m'appelait pour qu'on puisse mettre au point le contrat et que j'envoie tous mes documents.
Voilà, petite parenthèse. Du coup, donc je vous présentais ma nouvelle boîte de rangement avec les nouveaux contenants. Donc, comme je vous disais, c'est des contenants qui ressemblent un peu aux contenants Tic Tac qu'on avait d'habitude, mais sauf que là, elles sont beaucoup plus larges, en fait, hein. Je pense qu'on doit pouvoir mettre beaucoup plus de diamants à l'intérieur. Donc, moi, je voulais tester, je vais vous dire tout simplement pourquoi. Déjà, parce que j'adore les boîtes de rangement, j'adore les boîtes, et je voulais voir, en fait, si ces boîtes-là avait le même souci de couvercle que les boîtes Tic Tac lambda. Tout simplement, je vous explique, moi, pourquoi j'ai laissé tomber les boîtes Tic Tac. C'était parce que les couvercles ne tenaient pas bien et s'ouvraient tout seuls. Donc, c'était vraiment super dérangeant. Et puis, il suffisait que le contenant tombe pour que tous les diamants soient par terre. Et en plus, à force de les ouvrir, de les fermer, eh ben, il se ferme plus correctement et du coup bah, il se fermait pas totalement. Il y avait des fois ça restait comme ça, ça s'ouvrait tout seul. Donc franchement je n'avais pas aimé du tout. Donc je veux tester cela tout simplement pour voir s'il y a le même souci. En tout cas je peux vous dire là, pour les avoir ouverts et fermés plusieurs fois. Désolé, c'est mon téléphone qui fait des recherches tout seul. Donc, tout simplement, là, j'ai ouvert, fermé plusieurs fois. En tout cas, ça se clip très bien. Donc, à voir avec le temps. Donc, je pense que le prochain diamond painting que je vais préparer, je le préparerai dans cette boîte de rangement avec ces contenants-là pour pouvoir les utiliser sur long terme, sur tout le long d'une réalisation de DP. Comme ça, je verrai si c'est pratique ou pas. Voilà. Donc 32 contenants dans une petite mallette en plastique, vous voyez ça prend pas beaucoup de place, donc franchement si les contenants ont un couvercle qui tient le choc et qu'il reste bien fermé, et ben je pense que ça peut être des très bonnes mallettes pour avoir un gain de place par rapport aux grosses mallettes. Alors bien sûr les grosses mallettes elles ont 60 contenants à l'intérieur, donc forcément ça peut être que plus grand puisque là il y en a 32, mais on n'a pas toujours plus de 30 couleurs sur les DP, on en a 50, on en a 30, on en a 20, donc moi je pense que ça peut être génial. Donc voilà, et alors ce contenant là est au prix de, alors sur la boutique FG Normal, alors juste je recherche mon calepin que j'avais mis là. Donc, sur la boutique FG Normal, cette mallette est au prix de 13,97 €. Voilà. Donc, voilà les deux articles que j'ai choisi de tester et de vous montrer sur la chaîne pour voir eh ben, si c'est top ou pas. Donc, bien sûr, je vous ferai un retour sur ces deux articles. Eh bien écoutez, je vous fais des gros bisous, j'espère que cette présentation vous aura plu. Désolée pour la petite coupure, pour le petit dérangement, mais voilà, la vie continue à côté de YouTube, donc forcément des fois il y a des aléas. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt, bisous bisous.